Bonjour, je m'appelle Olivier Scala, je suis dégustateur de thé. Je vais vous expliquer aujourd'hui quelle théière, quel matériel utiliser pour préparer le thé. En théorie, il est souhaitable d'utiliser une théière par type de thé. Dans la pratique, ça peut donner une théière en métal pour le thé à la menthe, par exemple. Pour certains thés rouges de Chine, comme le Yunnan ou le Kimun, il faut utiliser une théière en terre cuite, qu'on appelle également une théière à mémoire. Et le principe de ces théières, c'est de ne jamais les laver et, si possible, de ne même pas les rincer. La théière va petit à petit se culotter et décupler les arômes du thé. Pour les thés blancs ou certains thés sculptés, qu'on appelle des fleurs de thé également, la théière transparente est tout à fait recommandée. D'abord parce qu'elle permet aux feuilles de bien se développer dans la théière, et qu'on a l'avantage de voir le spectacle du développement de ces feuilles. Ensuite, pour certains thés plus classiques, comme les thés de l'Inde, les thés du Sri Lanka, les mélanges anglais, on peut utiliser des théières en grès ou en porcelaine, avec ou sans filtre intégré. Vous avez ici une théière en grès du Japon, avec un filtre. Et vous avez également la théière en porcelaine, très classique, qu'on trouve dans beaucoup de pays européens. Enfin, vous avez la théière en fonte du Japon, qui est un objet détourné. Initialement, la fonte au Japon ne servait que pour les bouilloires. Mais petit à petit, spécialement pour l'exportation, ces bouilloires sont devenues des théières aux multiples formes, multiples contenances et différents coloris. Ces théières en fonte du Japon sont parfaitement émaillées à l'intérieur et elles conviennent parfaitement pour les thés parfumés, par exemple. Voilà, je vous ai montré un certain nombre de différentes théières. Il est bon de savoir, il faut vraiment se rappeler qu'il faut avoir une théière par type de thé et bien rincer la théière après usage, sauf pour les théières en terre cuite.